Guinea, the first country to contract Ebola, the epidemic that has ravaged West Africa for the past 9 months. It's the most severe outbreak of the disease since the virus was discovered 40 years ago in the Congo. We travel to Gaikidu to learn how this disease has managed to spread so rapidly throughout the entire region. The prefecture in Guinea's densely forested region lies on the border between Liberia and Sierra Leone and is at the center of the epidemic. The boom town of Gaikidu has a population of over 220,000. The Kisii ethnic group represent the majority here, speaking the Kisii and Malinke dialects, as well as French. It's clear the town is gripped by fear. Actuellement, notre autorité d'ici nous dit que vraiment le problème d'Ebola là, c'est un peu partout, donc on doit rester à la maison. Vous voyez même le marché, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de circulation, il n'y a rien comme avant. Notre préfecture Gaikidu est ciblée comme une zone là où il y a l'Ebola. Ce qui nous dérange parce que nos activités sont presque bloquées. Les services sont bloqués, tous les bureaux sont fermés à cause de l'Ebola là. Vous voyez? Donc ça donne une mauvaise renommation de la préfecture. It's a bad reputation that Gaikidu could well do without. After the appearance of the first cases in neighboring villages, Médecins Sans Frontières decided to open their first treatment center 6 months ago. In June, the NGO had considered shutting the center as the epidemic appeared to be under control. But a new outbreak of cases in July changed things dramatically. This makeshift hospital is no longer big enough and has had to hastily recruit temporary staff to face up to the growing number of cases in the eastern region of the country. Ici, c'est la tente, c'est la nouvelle tente. On va mettre au moins 8 patients ici. 8 patients. Si vous trouvez, il y a des seaux. Donc, chaque patient a droit de 2 seaux. Il y a un seau pour les vomissements, un seau pour faire la toilette. Les draps, on les change souvent. Si le malade a fait caca ou bien il a fait le vomissement dans les draps, on va les brûler. On ne peut pas les nettoyer, directement on les brûle. Aujourd'hui, malheureusement, les seules organisations qui sont capables de faire des centres de traitement, c'est MSF. Et ça, on doit les finir. Il faut qu'il y ait des autres organisations qui se mettent dedans, qui suivent des formations et qui commencent à ouvrir aussi des centres de traitement. C'est, on n'a jamais pensé que ça allait être si grand. Cette ampleur que ça a pris, cette épidémie, est énorme. Et ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. Hein. On n'a pas assez. All these efforts are not enough, and the rain certainly isn't helping. It's 7 p.m. and the day's work still isn't finished. Ambulances are already arriving with 17 new patients on board. 17 in one go is extremely high, and so the center has to improvise in order to treat them. These patients have arrived from the neighboring town of Masenta, 100 kilometers away, having driven for 4 hours on bumpy roads to get here. At this stage, they are only suspected of having come into contact with Ebola, but the utmost precaution is still essential. Only the hospital staff suitably protected can approach the patients and touch them. The virus is spread by direct contact with the bodily fluids of someone who has been infected and has symptoms of the disease, such as fever, diarrhea, vomiting, and headaches. This tent is just for suspected cases. The new arrivals spend their first night here, waiting for the results of their screening test.
The next morning, the day team is briefed by the night team. They must first count the new arrivals and separate the suspect patients from those who have already tested positive. Those with positive results must then be placed into an area for confirmed cases. La première chose, on va repartir d'abord les confirmer, on fait la restitution, on les déplace des suspects maintenant vers la salle de confirmer. Qui va s'engager à faire ce mouvement-là? Il y a trois transferts, donc on va faire un hygiéniste. Oui, c'est un corps médical plus un hygiéniste. Dr. Floribel Mboto is Congolese and is a long-term worker with MSF. This morning, he's dealing with the suspected cases that arrived last night. Above all, the teams must avoid contamination. It's a long and grueling process done under close supervision. Not even a square inch of skin must be exposed. In line with strict procedure, multiple pairs of gloves, a mask, a bodysuit, and an apron must be worn. This task is carried out several times a day, since it's difficult to work in these clothes for more than an hour. We weren't allowed into the high-risk areas where the patients stay. However, Dr. Lomboto agreed to take in a camera for us and film his work, with the permission of his patients. His first consultation is with a family who arrived the night before. A young boy, accompanied by his mother and grandmother. It's not uncommon to see several members of the family arrive together, having been contaminated by each other. Oui, mais il peut pas être la même qui est là-bas, ici. Va là-bas. The two women are in a critical state. They were probably not quick enough in getting to the treatment center. While waiting for the screening test results, the doctor searches for clinical symptoms of Ebola, such as fever, abdominal pains, and stiff necks. L'enfant ici est stable. Qui est qui là-bas? Agité, mauvais état. Estable. C'est tout. Estable, estable. Il n'y a pas un médicament qui détruit les virus. Certains patients guérissent par la restauration immunitaire, par la réaction immunitaire, et en même temps, le médicament que nous donnons, les traitements symptomatiques que nous donnons et qui stabilise les déséquilibres provoqués par les virus au sein de l'organisme. Tous ceux qui décèdent, ce sont des gens qui traînent, qui viennent déjà avec des complications très majeures. Mais les gens qui viennent un peu tôt, ce sont des gens qui s'en sortent dans la majorité. The grandmother of the family died during the consultation. The young mother will not survive either, but her child will be cured after spending a few days in the center. Blood samples from new patients are taken to these experts at an EU mobile laboratory. Christopher Logue is an English virologist. Just like the MSF workers, he's here as a volunteer. Okay, so inside here now, we have another box, and inside that box we have tubes, and inside those tubes are our samples. Christopher and his colleague need to abide by strict precautionary measures, since the samples they are handling are extremely dangerous. Most of them probably contain the Ebola virus.
Despite the poor condition of the site, they use the same safety protocols as a high security laboratory. But because of the nature of how highly pathogenic there are, every time there's somebody working in the cabinet, we have what's called a buddy, and we have a buddy system. And the buddy works with the operator to go through every step together so that they know that every step's done safely and there's been no potential for accidents. As routine, we don't test people until they're showing the clinical signs of an Ebola infection, so vomiting, diarrhea, high temperature, because then you would have to test everybody, and we don't have the infrastructure here to do that. The conditions, they're not like we're used to in our own labs in England or in Germany, but we've made them as closely as that as possible. So yeah, it's this morning I said when you test samples and you get these negatives, it's just a really good day, because you know that these people are negative. When you have small children and they're positive, it's a bad day. So it's ups and downs, but it's pretty. For the volunteers, moments of respite are short. Only a few hours are spent in the center here, or back in their accommodation. Even if they are used to emergency missions, nothing could have prepared them for Ebola. Nobody can touch each other, and everybody keeps well apart. The virus is on their minds all the time. Michelle Comenu is an MSF nurse, and his colleague Cecile Millemanu is from the Red Cross. These two medical workers do not spend their days at their patients' bedsides. They work on the ground to try and contain the epidemic. Day after day, they travel through villages where deaths from Ebola have been reported. They are heading to the village of Kolobengu, one of the very first places to be hit by the virus. C'était un village très hostile. Au fait, l'accessibilité n'était pas facile. La communauté ne coopérait pas avec Médecins Sans Frontières parce qu'ils étaient imprégnés des rumeurs qui couraient ici de communauté en communauté, soi-disant que bon, si toutefois on prend un malade et il va au centre, on le tue. Et puis, donc au fait, c'était très difficile. La peur, c'est l'ignorance. C'est qu'on ne savait rien, on ne savait rien de cette maladie, donc raison pour laquelle, comme on ignorait la maladie, c'est pourquoi on a eu peur. Il y a eu 25 décès ici, mais depuis que MSF est rentré ici, aujourd'hui nous disons merci à Dieu. Ici, communément, quand quelqu'un tombe malade, il faut aller lui rendre visite, lui saluer, lui dorloter, et puis franchement, lui rassurer qu'il n'est pas seul, on partage vraiment la douleur ensemble. C'est ce que la communauté, la coutume demande. Aussi, Ebola étant une maladie de contact, il y a eu beaucoup de contamination, donc il faisait qu'à tomber malade. Il n'y avait pas d'assistance, et puis parce qu'ils n'étaient pas coopérants. Trust can only be established if patients accept being treated by MSF. Or when some of them return to their village cured, like this young mother. Elle, heureusement pour nous, elle a été à temps au centre et elle est sortie guérie. Donc il faut maintenant suivre le reste qui était avec elle. Oui. Michelle and Cecile's work involves tracking down all those who have been in contact with a patient or somebody who has died from the virus. That is the case with this family, having lost one of its parents to Ebola. Each member of this family has had checkups on a daily basis for 21 days, which is the incubation period of the virus. If one of them had displayed the slightest symptom, they would have been transferred to the MSF treatment center in order to avoid contaminating the village.
Today, they have finished their observation period, and none of them tested positive. This village has been hit hard by Ebola. Dozens of children have been orphaned, and the loss is taken away from the workforce in the fields, impacting on the economic survival of those who remain. These are just some of the reasons why following up with patients is so vital and requires such a large task force. In the towns and cities, like here in Gekudu, huge prevention projects are being undertaken. Motor taxi drivers are the first focus group, since they are one of the most exposed. Faye Antoine attended MSF's first prevention meeting. Ils nous ont dit d'éviter de toucher des malades d'Ebola parce que ce virus est très très dangereux. Comment tu fais pour savoir si les gens sont malades ou pas avant qu'ils montent sur ton taxi? Comment tu fais? J'ai quelque chose qu'on appelle le chlore. Avant de monter sur ma moto, je dois d'abord privilégier d'abord ma moto, là où je vais t'asseoir. Moi-même, je me privilégie là, très bien ma main avec le chlore. Avant que tu ne montes sur ma moto, toi-même, tu laves tes mains, je te privilégie avec ce chlore. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Vous savez, c'est un virus qui est très, très dangereux. C'est très, très dangereux. Il faut avoir peur de lui. For now, preventions like this have been successful in Gekudu after months of hard effort. But it has not been enough, either in quantity or speed. The epidemic can be contained one moment, but break out again the next. On n'a jamais vu une épidémie de cette ampleur et on découvre chaque jour des situations nouvelles. Donc on est dépassé. On est dépassé en permanence et à chaque fois qu'on a l'impression de reprendre le contrôle, il y a une situation nouvelle qui à nouveau nous dépasse et on ne court même pas derrière l'épidémie. L'épidémie s'enfuit devant nous. C'est malheureux quand même. Avant, les épidémies qu'on a pu voir, elles étaient souvent dans des zones assez reculées où les gens restaient. Donc finalement, il n'y avait pas de propagation du virus en dehors de cette zone-là. Et sur les trois pays, on a autour de ce qu'on appelle le bec de perroquet de la Guinée, qui est frontalier avec la Sierra Leone et le Liberia, on a les mêmes groupes ethniques qui habitent là. Les gens là-bas n'ont pas ces frontières-là. Ils se déplacent, ils ont souvent leur champ d'un côté de la frontière, ils habitent de l'autre côté. Donc les trois pays se sont retrouvés touchés par l'épidémie, plus ou moins de la même manière. Machenta, a nearby town, has recently flared up with the epidemic. The situation here is very unstable. The people are poorly informed and scared of the sudden peak in cases. This is the hospital where the very first cases of Ebola were treated back in February. The director of the hospital from that time has since died from the virus. En tant que généraliste, on consultait 100 cas, c'est vrai. Ebola, on en parlait. Mais vous savez, si vous n'êtes pas habitué à une maladie, vous ne voyez pas ça fréquemment, alors franchement, ça peut passer inaperçu. Mais après, les gens ont commencé à venir. Et ce qui va se passer maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors quand ils viennent, alors d'abord, les ressources commencent à diminuer. Surtout quand on voit les gants qu'on doit porter quotidiennement et d'autres intrants qu'on doit utiliser, donc ça a une incidence. Donc il a fallu maintenant que nous serrons la ceinture pour voir comment on peut faire face alors, non seulement à nos besoins pour les autres pathologies, mais aussi aux cas suspects qui venaient. The hospital is simply not equipped to fight an epidemic like this. They lack even the most basic protection material. Not to mention treatment resources. Aujourd'hui, d'avoir du personnel de soins qui continue de se contaminer, c'est vraiment dramatique et c'est vraiment un problème. Mais ça, je pense que c'est l'effet en partie de
de la pauvreté, du sous-développement et du manque de rigueur que peuvent avoir ces pays. To help out, this MSF hospital has set up a center to pick out suspected cases. Any confirmed are then transferred to the MSF treatment center at Gaykudu. In this hospital, a nurse has just died after treating her patients. Her family is not allowed to go near her, since only the Red Cross is permitted to prepare bodies for high-security funerals. Also, an emergency health announcement has formally forbidden the movement of bodies between localities. Les précautions qui sont prises auprès des cadavres, c'est très très important. Les cadavres sont plus infectieux que les vivants. Lorsque une personne elle est vivante, le virus se trouve beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais une fois que la personne rend l'âme, directement le virus remonte à la surface de la peau. For the families, it's not easy to abide by these new practices. There have been numerous protests, since custom dictates the funeral preparations should be carried out by the close family of the deceased. Often, their body is taken from one village to another so that whoever knew the person can pay homage to them. Les rumeurs qui coulent, c'est qu'on vient, on prélève les yeux, on enlève la langue, on suce les sangs, on enlève des organes. Donc ces organes-là sont envoyés à l'extérieur pour être vendus. Donc c'est en commun accord avec les Blancs. Aussi, on dit que le chlore que nous utilisons pour la désinfection contient du virus. Dès qu'on pulvérise une maison, on laisse le virus là-bas. Le lendemain, les gens tombent malades. Des fois, je suis obligé même de mettre le doigt. J'ai dit même à mes agents de mettre le doigt dans le chlore et mettre sur la langue pour qu'ils comprennent que réellement ce n'est pas une substance qui est toxique et qui tue. Mais on peut même consommer le chlore à faible dose. Soulevez, soulevez, ne tirez pas, hein, soulevez. Voilà, approchez, voilà. For the family, on top of the pain of losing a loved one, there is a long period of uncertainty and worry. Ils nous ont demandé, est-ce que vous avez touché votre parente? J'ai dit oui. Pendant l'embarquement, elle pouvait marcher. Elle a marché un peu, on l'a pris. Elle avait une chemise manche longue. Maintenant, on l'a pris par les épaules, l'a fait asseoir. C'était sous la pluie. Et quand on l'a fait asseoir, directement, on a pris le savon, on s'est lavé les mains. Après avoir lavé les mains, on a utilisé aussi le chlore. On a lavé encore la main avec le chlore. C'est là-bas où on l'a touché. À part ça, non, on ne l'a pas touché. Understandably, the parents are anxious to know if one or the other of them is infected. Maintenant, nous voici dans l'épreuve. Qu'est-ce que vous pouvez, quel garde que vous pouvez prendre pour nous? On est dans un combat. J'aime toujours dire qu'on est en guerre. Ce que je vous conseille, c'est quoi? Quand tu as les signes, et la plupart d'entre vous connaissent les signes, quand tu te rends très tôt au centre, tu as de fortes chances de t'en sortir, de sortir guéri. Et si tu ne vas pas là-bas, tu risques de contaminer d'autres personnes. Et puis des personnes proches de toi. Donc tu agrandis la chaîne et tu mets tout le village en danger. Tu mets même le pays en danger. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont venir rentrer de contact en contact. Tu as vu ce que ça fait? Oui. Donc n'acceptez pas que l'Ebola passe par vous. In Gaykudu, patients are still continuously flowing through the centre. Some of them turn up of their own accord, right from the first symptoms, like this woman. This is a sign that the prevention campaigns are paying off. But progress is slow. In the neighbouring tent, doctors are faced with a new crisis situation. Le problème, c'est son enfant. Et il a un enfant de 1 an. A young woman has just died in the confirmed cases tent. The team must urgently disinfect and remove her body.
she has left behind a child barely 1 year old. The little girl also lost her father just a few days ago. L'enfant était suspect, mais elle était asymptomatique. La maman a décidé de ne pas laisser son enfant chez les suspects. Elle dit qu'elle va garder son enfant à son chevet et subitement, au cours de son hospitalisation, elle a radié là. L'enfant, pour le moment, il n'a pas de signe qui plaiderait en faveur de Ebola. Pour le moment, comme il était en contact direct avec sa maman et elle allait jusqu'au décès de sa maman, on pourrait penser qu'elle pourrait avoir le virus. For the medical staff, this kind of situation is always hard to manage. Et si un malade vient dans un état critique, donc il faut qu'on l'accepte. C'est les choses qui nous arrivent parfois. C'est dur, mais il faut qu'on l'accepte. Surtout pour sauver les enfants, il faut qu'on l'accepte. Only a few days later, the orphaned girl also died of the virus. On essaye un peu de faire un suivi de temps en temps. Si on ne se sent pas bien, si on a envie de parler, etc. On a eu des psychologues expatriés. Donc, on avait l'opportunité de régulièrement pouvoir parler un peu, faire une approche avec eux. Voilà, après, on essaye entre nous de parler un peu, de s'appuyer, quoi. Aujourd'hui, on a deux centres en Guinée, deux centres en Sierra Leone, deux centres au Libéria. Tous nos experts sont mobilisés. On prend des risques en faisant intervenir des gens qui sont moins formés que dans le passé. On augmente nos capacités, mais ça reste insuffisant. Et malheureusement, aucune autre organisation médicale n'a ces compétences aujourd'hui. Dealing with an Ebola crisis is certainly hard work. Every movement has to be made with the utmost care to avoid contaminations. For people who die inside the treatment center, a makeshift morgue has to be made to prepare the bodies before the Red Cross can transport them to the cemetery. This all has to be done with respect to the dignity of the deceased. Each death is documented, and a photo is presented to their family. Même si on a peur, mais avec les mesures de protection, lorsqu'on les respecte à la rigueur et avec beaucoup de rigueur, je crois qu'on ne dit pas qu'on est à 100% en sécurité, mais la sécurité est là pour ne pas 98%. Je suis là, c'est mon cinquième mois. Et une fois, je me demande à quand la fin de Ebola. C'est surtout la question qui me hante chaque fois que je pose ma tête sur l'oreille. C'est ça, c'est tout.